Oui, depuis que je suis entrée dans le programme, ben, je fais 10K, 10 000. Quand on a quelqu'un qui tend la main, il faut l'apprendre. J'ai encore plus d'ambition parce que je me dis, là, j'ai mis en place vraiment le strict minimum. Ben, quand on est comme ça dans un programme, on est suivi, il y a une communauté, on retrouve le chemin en fait. J'accompagne les personnes qui sont en reconversion professionnelle ou en tout cas qui n'ont plus de travail à s'épanouir, à se développer dans la formation professionnelle. Et voilà, je tombe sur un challenge d'Eliane qui m'a ouvert les yeux parce que je me suis dit, ah, il faut absolument que je travaille avec elle. En fait, zéro, j'avais plus de clients depuis 6 mois. Les gens ne me connaissaient pas parce qu'aujourd'hui, c'est hyper important en fait d'avoir une bonne stratégie. Ça faisait presque 9 mois que j'avais plus de clients. Et elle a dit quelque chose que vraiment, ça m'a parlé clairement, c'est la peur du rejet. Eh bien, en fait, cette peur du rejet, j'ai réussi à la surmonter. Et j'ai Et du coup. fait des ventes. Au deuxième jour, j'ai eu tout de suite une cliente qui m'a dit, ça y est, c'est bon, donne-moi le lien d'inscription. Oui, depuis que je suis entrée dans le programme, bah, je fais 10K, 10 000. À quelques, ouais, on va dire 2, 3 semaines, voilà. Quand on a quelqu'un qui tend la main, il faut l'apprendre. Et c'est vrai qu'il faut aussi penser à son pourquoi, c'est-à-dire pourquoi je veux le faire. Pourquoi je suis bloquée? Qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation actuelle? Qu'est-ce que je dois changer? Parce que j'ai tourné en rond dans la même situation, parce que mais, il fallait que je sorte de ma zone de confort, il fallait que je m'organise différemment, que je trouve une autre motivation. Mais, le mot magique, c'est de passer à l'action. Prendre une décision et passer à l'action. Moi, je sais que des fois, j'ai tendance un peu à procrastiner. Et si j'avais pas derrière l'équipe qui me booste et tout, je me fais en fait submerger par plein de problèmes. Ce n'est pas parce que j'ai pas envie, c'est parce qu'à un moment donné, je me sens dépassée par plein de choses. Ben, quand on est comme ça dans un programme, on est suivi, il y a une communauté, on retrouve le chemin en fait. Non, enfin, j'avais plus du tout, j'avais plus du tout envie de faire quoi que ce soit. Vraiment, j'étais tellement perdue que je faisais plus rien en fait. Je faisais plus rien pour la preuve. Pendant 9 mois, j'aurais pu vendre, mais je vendais pas. Eh ben, je me sens beaucoup plus engagée. Et puis, je retrouve l'espoir. Et puis, je me dis, ben, j'ai encore plus d'ambition. Parce que je me dis, là, j'ai mis en place vraiment le strict minimum. Mais alors, voilà, quand je vais finir mon cycle promo, quand je vais mettre en place le challenge, quand je vais faire tout ça, mais Ça va je être vais tout magique. exploser.